Salut les gars, eh bien ce qui devait arriver arriva. Voici le dernier tour du scénario Canary's Cage en PBEM dans lequel je jouais l'Espagne. Et vous voyez, le score est là sans appel. Spain, moins 9180, Neil, 9190, pardon. Ça veut dire que mon porte-avions a fini par couler. Alors on va aller vérifier ça tout de suite. Donc ça veut dire que je suis dead, game over. Alors. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mes navires. Je sais pas pourquoi ils apparaissent en rouge. Ah ouais, parce que je suis du point de vue de l'adversaire en fait. Oui, bien sûr, regarde. Tout est bleu ici. Je peux voir. J'ai accès à toutes ces positions. Tu vois, il avait du monde en défense là. Aïe, aïe, aïe. Là, il y avait vraiment du monde. C'est lui que je suis pas arrivé à dégommer. Là, il y avait du monde aussi. Hein. Il fallait. Il avait encore des avions. Deux grands avions. Ah, il avait encore des. Bon, il avait encore du monde. À Marrakech. Il avait encore. Ah, il n'y avait plus grand-chose là. Hein. À Sidi Slimane. Là, il n'y est jamais allé à Sidi Slimane alors. Bah si, il a utilisé tout ce qu'il avait. Hein. Intéressant. Et je crois qu'il y en a deux Sidi Slimane. Non. Ensuite. Bon alors les avions, qu'est-ce qu'il avait encore là à Los Rodos, Los Rodeos. Il avait encore deux MiG-29. Quatre MiG-29. Ils étaient en quick reload là. Hein. Et des F-16, il avait encore. Ah ouais, il avait encore. Ouais, mais monté en AIM-9. Ouais. Donc ça allait pas bien loin, quoi, tout ça. Hein. Ah, il n'était pas super bien, je l'avais quand même bien endommagé. Hein. Et là, alors là, il avait du monde. Des mirages, oui, mais bon, avec c'était pas super fort. Là, c'était tout monté en ferry parce qu'il a dû les transbarder. Il a dû essayer d'en. C'est ce que j'avais essayé aussi, de les amener d'une île à l'autre pour essayer de les réarmer, mais apparemment, il n'est pas arrivé. Il a des fenceurs. Ouais, encore, il avait encore des fenceurs. Hein. Ouais, mais ça va à 6 miles, quoi. Hein. Les AIM-9. Le MiG-29, il n'en avait plus. Et il avait encore un Hawkeye, le dernier que j'ai pas pu avoir. J'ai pas pu avoir qui aurait été prêt dans 28 minutes. Ouais, bon, et puis évidemment, alors, voilà ce qui restait de ma flotte, quoi. Ah ouais, donc il voyait, là c'est un bug, il voyait des points que je marquais. Ça c'est moi qui avais marqué sub comme ça, ça apparaissait de son côté. Bizarre, bizarre. Alors le scoring. Bon, là, évidemment, on est archi dead, finished, Spain, le principe, voilà, le principe des Asturias qui est dégommé. Évidemment, ça ne pardonne pas. On était à 3600 et boum, moins 3600, de moins 3600 à moins 8000, boum, 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 ça c'est le porte-avions. Ouais, là, ça n'apparaît pas comme il faut. Là, c'est un bug, apparemment. Parce que ça veut rien dire, ça. Mais bon, c'est clair. Non, mais là, c'est pareil. Ça m'a l'air un peu bugué, cette affaire. Hein. En gros, j'étais à 3600. Je suis monté à 4000. 3600. Et je suis retombé à 0. Ah non, je suis tombé à.
Ouais, bah j'en sais rien. Enfin, 3600 moins 0. De 3600 à 0, de 0 à moins 3600. Et moins 3600 à. Ah oui, c'était pour lui. Oui, j'étais à... C'est moi qui étais à plus. Je suis passé en fait de moins 3. De... Moi, j'étais à plus... j'étais à plus 3600. Donc lui, il était à moins 3600. Et quand mon porte-avions a coulé, d'un seul coup, de moins 3600, il est passé à 8000. Oh putain, 11 000 points le porte-avions. Oh là là là. Voilà, donc game over. Bravo à Jazzman. Congratulations. Et il joue bien, hein. Il est bon. Il m'a fait des coups vraiment incroyables. Il connaît mieux le jeu que moi. Il est meilleur que moi. Il n'y a aucune honte à le dire. Et au contraire, mais on apprend beaucoup en jouant en PBM. Et franchement, c'est génial. Donc je le conseille à tout le monde. Je rappelle qu'on peut jouer en PBEM, c'est grâce au mode qui s'appelle IKE, IKE, ça s'appelle. C'est développé par Musurka. Ça se trouve, on trouve ça sur le site de. On trouve les informations sur le site de Matrix Games. Et sinon, j'avais fait une vidéo. Vous cherchez dans mes vidéos, vous allez voir comment jouer en PBEM. Pour ceux qui veulent voir ça dans une vidéo, plutôt que de lire le. De lire la documentation. Mais en tout cas, ce mode est absolument brillant. Bon, il y a des petits problèmes qui sont inhérents au jeu, qui fait que on est obligé de faire confiance à l'IA pour certaines actions, etc. Ça, c'est inévitable. Mais dans l'ensemble, ça marche bien. Il y a des bugs, mais il y en a moins. Et c'est surtout que cette nouvelle version qu'on a utilisée, c'était une version bêta qui n'était pas publique. C'est pour ça que je n'ai pas publié les vidéos avant que. Si au moment où je publierai cette vidéo, c'est que le mode aura été rendu public. Et justement, ce qui est génial dans cette nouvelle version du mode, c'est qu'on a l'option de donner les ordres de fin de tour. Comme on avait vu tout le temps, on donne des ordres au début de tour, on prend un seul tour, enfin deux phases d'ordre, une en début de tour et une en fin de tour, et c'est tout. Et ça devient un quasi Wigo. Voilà. Donc bravo à Musurka d'avoir développé ce fantastique mode, hein, je ne lui dirai jamais assez, moi ça a changé ma vision du jeu. Maintenant au moins, j'ai pratiquement plus envie de jouer en solo, quoi. Si je joue en solo, c'est pour m'entraîner en fait. Mais après, ce qui compte, c'est de jouer en multi contre d'autres humains, c'est vraiment absolument génial. Voilà, bon bah, écoutez, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vais continuer à jouer avec Jazzman, j'espère. J'apprends beaucoup en jouant avec lui, et puis bon, il est sérieux. Il est un des problèmes du PEM, c'est que c'est pas facile de trouver des joueurs motivés. J'ai remarqué que souvent, les gens, dès qu'ils perdent 2-3 avions, 2-3 bateaux, ils font la gueule et tout. Et puis, ils commencent par ne plus envoyer les tours régulièrement. Il faut les relancer, et puis à un moment, hop, pst, hop, disparaissent. Ils sont partis, on les revoit plus jamais. Donc Jazzman, au moins, il est sérieux, il est fiable, et il est très bon, donc ça ne gâche rien. Donc je vais essayer de continuer à jouer avec lui. Si lui, il veut bien continuer à jouer avec moi, il va falloir quand même que j'oppose une petite résistance. Mais bon. Là, je l'avais quand même pas mal endommagé, quoi. Et ah oui, alors tiens, une chose que je n'ai pas vérifiée, c'est les sous-marins. Il lui en reste qu'un seul. Il est là. Il était là, le dernier sous-marin. Oh, on aurait bien fini par l'avoir, hein, mais je lui ai quand même dégommé tous ses sous-marins. Voilà, si vous voulez regarder, voilà les. Vous mettrez la vidéo sur pause si vous voulez voir les détails. Voilà. Bon, allez, ciao, merci. Si quelqu'un a pu suivre ça jusqu'au bout, merci de l'avoir fait et j'espère que ça vous donnera envie de jouer en PBM. Allez, à bientôt pour une prochaine partie. Je vais continuer à les mettre en ligne. Moi, ça m'amuse de faire ça. Et j'espère que ça peut donner envie. Et on verra comme ça si je m'améliore ou pas avec le temps. Allez, ciao.